connaissez en entertainment et media management, a pour objectif d'intégrer environ 130 étudiants par an sur des marchés qui sont assez complexes et différenciés, comme le marché du sport, le marché de l'événementiel, le marché de la communication opérationnelle, le marché du divertissement et le marché des médias. On vous accueille en tant que professionnel et non en tant qu'étudiant. Donc j'ai beaucoup apprécié et on vous estime en fait. Alors pour ma part, je trouve que la vie à Euromed est très agréable. Nous avons une promotion très soudée et il y a vraiment une cohésion au sein du master. Donc on essaie d'avoir des professionnels qui savent communiquer et des enseignants ouverts sur le monde et évidemment sur le monde des médias. Voilà, donc les intervenants sont, on peut peut-être citer des noms, on a un ancien qui s'appelle Aurélien Roth qui est à la direction de Radio France aux études. On a quelqu'un qui est sous-directrice du marketing de TF1, Stéphanie Brémond, qui intervient. Naturellement, je me suis intéressé à des formations, dans le sport, professionnel, dans le management du sport. En regardant les classements un petit peu plus simplement, Euromed est une des meilleures formations en France. Et pour moi, Marseille est une ville de sport, peut-être la ville de sport française. En plus donc, d'être une école réputée dans la région, Euromed m'a permis de trouver un MSC qui était, on va dire, spécialisé, vraiment spécialisé dans ce que je voulais, donc les médias.